J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo surprise, c'était pas du tout prévu que je tourne une vidéo pour YouTube, mais ce matin je suis allée chez Noz et il y avait tellement de produits vegan et assez pas chers et des produits assez connus que beaucoup, je pense beaucoup d'entre vous consomment. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'en faire une petite vidéo, même très rapide, pour vous présenter quand même les produits. Alors du coup, j'ai fait aussi d'autres courses, mais je vais pas tout vous montrer parce que le but c'était pas que je fasse une grosse vidéo YouTube, mais vraiment je me suis dit pour Noz, il faut vraiment que je vous le montre. Et comme c'était quand même trop long pour vous faire ça en version short sous une minute, je pouvais pas parler pendant une minute, c'était trop court. Donc j'ai voulu vous faire cette petite vidéo, voilà, express. Bon c'est parti. Alors voilà le beau retour de course de chez Noz où j'ai acheté pas mal de produits connus, mais aussi inconnus. Alors, j'ai repris le lait d'avoine, donc enrichi en calcium de cette marque-là, qui est vraiment très très bien. Je l'ai utilisé dans toutes mes pâtisseries et au moins, le fait que ce soit enrichi en calcium, c'est vraiment un vrai plus. Et pour 99 centimes, bon, clairement, ça vaut le coup, hein, vaut mieux l'acheter plutôt que le faire soi-même. Là, ils avaient la gamme Alpro, donc c'était trop top. Donc j'ai quand même pris leur lait d'avoine parce que je le prends pas très souvent et que je l'aime beaucoup, juste à cause du prix. Hein. Donc là, en promo, il était à 1,45€ chez Noz, donc j'en ai pris deux. Vous aviez la version sans sucre aussi. Moi, j'ai pris la version normale que je trouve bien meilleure. Et il y avait la version coco. Alors par contre, il y avait que la version sans sucre, mais j'ai dit c'est pas grave parce que le lait de coco est parfait pour les smoothies, surtout en ce moment. Et là, vu qu'il était donc à 1,89€, j'ai sauté dessus vu qu'il approche les 3€ quand même en temps normal. Donc c'était un vrai plus. J'ai pas voulu en acheter plus alors que j'aurais pu, mais là c'est encore une fois pour une histoire de budget. J'ai pas voulu abuser. Surtout que j'ai pris surtout 4 comme ça qui sont beaucoup moins chers. Voilà, c'était vraiment juste parce qu'ils avaient la gamme Alpro, donc j'en ai profité. Mais voilà, j'ai pas fait un stock de malade. Ils avaient au niveau de chez Björk le dessert vanille, donc je me suis dit tiens je vais goûter parce que je l'ai jamais goûté celui-là, donc c'était l'occasion parce que là du coup c'était 1,19€ et je voulais en plus des desserts à la vanille, donc ça tombait très bien. Et juste après j'ai vu qu'ils avaient les Alpro à la vanille, alors je sais que c'est une nouveauté et j'ai été étonnée de les trouver chez Noz parce qu'ils n'étaient pas en produits frais. Alors que moi je le trouve maintenant à Auchan, hein, j'ai vu ça cette semaine, qu'il est à Auchan donc au produit frais, mais pareil il n'était pas donné et là c'était 1,09€, donc voilà, j'en ai profité, hein, autant profiter de ces promos là. Ensuite de la sauce tomate, on a toujours besoin de sauce tomate, hein, clairement. Et en plus la marque Muti, vous le savez, je l'adore, elle est vraiment très bonne. Donc là pour 1,19€, bon j'ai sauté dessus. Ils avaient de l'huile de coco. Alors là, ça tombait bien parce que en fait l'huile de coco que j'ai, il me reste plus que la désodoriser. Et comme celle-là, je l'utilise quand même pour des choses particulières. Donc avoir de l'huile de coco normale, c'était cool. Donc là, c'était 4€ le pot, donc ça va. C'était raisonnable. Au niveau des glaces, alors là, j'étais hyper contente d'avoir la marque Happy Coco. Je l'ai déjà vue plus d'une fois dans mon magasin bio préféré parce qu'elle est végane. En plus, elle a cookie doux, ça me donnait trop envie. Mais bon, c'était plus de 6€ le pot, quoi. Donc vraiment, ça, voilà, c'est le prix qui m'a empêché d'y goûter. Et là, je l'ai payé 1,20€. Donc clairement, ça valait le coup de tester. Et la Gendas, alors là, c'est version sorbet à la framboise. Elle est trop, trop bonne, la glace-là. Mais pareil, je l'achète pas parce que le pot qui est normal, là, c'est la version extra, mais le pot normal comme ça, il vaut plus de 6,50€, quoi. Et j'imagine même pas avec l'inflation. Donc forcément, ça donne pas trop envie d'en acheter souvent. Là, c'est la version extra. Et je vous laisse deviner le prix. Tadam ! 3,50€. Donc là, j'ai sauté dessus à cause de ça. Parce que pareil, en glace à manger, mais aussi à rajouter dans mes milkshakes, ça va être trop trop bon, je le sens. Donc vraiment une grosse réduc. Ensuite, j'ai vu ces spaghettis à la carotte et aux épinards. Bon, c'est pour le côté, pour changer un petit peu. Mon homme, clairement, n'est pas fan. moi, je me suis dit, je vais tester, ça sera pour moi du coup, en 1,49€. Bon, voilà, pour tester, clairement. Ensuite, des chocolats. Alors là, franchement, trop plaisir. 79 centimes, toutes les tablettes.
C'était clairement un plaisir. Je ne connais pas la marque Naturata, donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc j'en ai pris un au quinoa et un au lait de riz. Donc à voir si c'est bon. Par contre, celui de Nestlé, je l'ai déjà vu chez Auchan, je l'ai testé et il est vraiment très bon, vraiment super bon. Donc voilà, vu le prix, il fallait en profiter. Il restait 3 tablettes dans le rayon. Bon, bah j'ai tout dévalisé. Hein. Donc désolé à ceux qui sont proches de nos Oni, il n'y en a plus à cause de moi. Voilà. Et toujours dans la gamme de chocolat, donc c'est par rapport à la marque et parce que j'en avais pas forcément besoin, mais je me suis dit ça peut toujours être conservé, il n'y a pas de souci. Et puis c'était pas très cher. Bah, c'est du cacao sucré, tout simplement. Donc pour faire des chocolats au lait. Voilà. Et comme j'avais très envie de goûter cette marque que je ne connaissais pas, j'en ai profité. Donc voilà pour ce petit retour de course très rapide chez Noz. Voilà, c'est tout pour cette vidéo surprise. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à commenter la vidéo pour montrer à YouTube que je n'ai pas disparu. Parce que je vous cache pas que le fait de juste publier un petit peu moins, bah, ça casse tout l'algorithme et les statistiques de YouTube. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, il n'y a pas mieux. Hein, donc likez, commentez, allez-y à fond. Donc samedi, comme promis, vous aurez donc la vidéo de l'explication du template Notion que je vais vous envoyer par newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter et qui souhaitent recevoir ce template, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, donc avant samedi 18h. Après, ce sera trop tard. Le lien est dans la description. Et sinon, bah, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !